Patrice Daniel Frédéric, écrivain dramaturge, metteur en scène, acteur. Donc, je dirige la compagnie de théâtre Ami depuis tantôt 16 ans. Donc, moi, j'ai réalisé pas mal de spectacles à Port-au-Prince avec la compagnie de théâtre Ami. Et là, maintenant, on se lance dans le cinéma. Là, on a des feuilletons, des séries télévisées que je travaille sur lui. Mais ça n'a pas empêché que moi, toujours continuer à faire théâtre. Et à côté de théâtre, là, je suis responsable de discipline au Collège Saint-Pierre. Donc, je suis dans l'éducation aussi, et puis le théâtre et la communication, l'éducation. Donc, voilà mon domaine. Non, pas M. Evny Paul. Je suis comédienne, actrice. Et aussi, moi fais cours dramatiques et aussi, je fais des cours pour, d'animation dans la bibliothèque. Théâtre là, c'est là dans moins donner plus, c'est les moins pire aimer. Donc moi consacre beaucoup plus avec et théâtre là. Donc m'a fait ça longtemps et en dépit de toute situation, moi par exemple vraiment abandonné, laisser tomber, que le pays a calme, que le pas calme, on toujours à travailler. Moi même ensemble avec Lance, son bail qui t'a fini par rencontrer quelque part quand même dans vie. J'ai commencé ensemble avec danse et puis heureusement fait partie de compagnie de théâtre Ami que me t'entrer là dans pour danse dans répétition dans fait théâtre dit ça c'est moi et donc du coup me la donne connaissez bon bail qui facile mais me la parce que théâtre c'est la vie, c'est ça que moi j'aime, c'est la donne moi ça t'aime bien donc et c'est ça que moi qu'on fait, c'est ça moi fait bien donc et c'est depuis petit monde depuis l'école dans la classe m'a imité professeur fait théâtre dans l'école c'est ça m'était toujours aimé. Je connais que c'est pour un bagage qui est facile dans le monde artistique là, et surtout pour finir dans n'importe quel domaine. Hein. Mais pour moi-même, je ne dis pas que c'est extrêmement difficile. Parce que je commence en compagnie de théâtre à mi-côté qui a plus de filles que de garçons. Donc du coup, je ne sens jamais des sentiments opprimés en tant que fille dans le théâtre. Et je commence à déplacer. Je travaille avec l'autre metteur en scène tout, à aucun moment je n'ai pas de sentiment ça. Je ne dis pas que les gens qui ne sont pas, mais moi-même personnellement, je ne peux pas vivre. On a travaillé sur un spectacle et qui est une adaptation de une nouvelle Marie-Célianian, qui c'est Deux jours pour oublier, que nous avons joué récemment là. Ensuite, nous avons une colère de Marie Véchauvet que nous avons préparée, que nous avons mis en scène. Et puis, avec la compagnie, nous avons préparé Erreur, qui est une série télévisée. Le silence comme le sang, en fait, son livre que Patrice Passem, on commence à lire. Et après ça, je parle avec Patrice, je me dis, mais son bel livre qui a fait un superbe spectacle. Il me dit, mais c'est pour j'aime Yves, c'est pour ça que je prends son livre là pour l'île. Et il me dit, et c'est pour moi, on a travaillé depuis Kounia. Ça fait longtemps qu'on a réfléchi ensemble avec le spectacle ça. Et là, on a regardé pour nous, ouais, difficultés nous gagnons. Parfois, nous avons gagné des spectacles. Comme ça, j'ai dernier spectacle que nous fait là. Il y a un bail qui fait spectacle, il y a pas qu'un monde qui n'est pas venu parce que il y a des troubles dans le pays, il y a des tirés, il y a des problèmes de gaz, il y a des problèmes de kidnapping. Donc, du coup, nous rendons compte que, oui, sous temps du Valier, t'es qu'on a des problèmes, ça, yo, et que t'es qu'il y a des auteurs qui t'appellent écrit sur yo, mais même problème, ça, yo, même difficulté, ça, yo, que n'a pas rencontré, qui t'est là, notre patient, jusqu'à présent, là, toujours. Donc, du coup, nous dit, c'est bon moment pour nous parler, pour nous dire que, nous pas qu'arrêter comme ça, faut nous avancer. Ça fait longtemps que ma plie Marie-Célianian et texte yo toujours marqué, texte yo très très profond, il y a un peu l'émotion qui traversait à travers texte yo. Mais cependant, c'est des histoires qui conçues sous la dictature, sous Jean Monte qu'on a mouru, sous Duvalier, etc., etc. Mais n'importe que de nos jours, c'est comme si pas gain aucune différence. C'est toujours les mêmes choses que nous avons vives. Nous toujours, mon a mouru, vu retourner, mon a sauvé quitter pays, mon a migré. Donc c'est toujours même réalité que nous vivons. Donc c'est pour ça que nous choisi mettre Deux jours pour oublier sur scène de Marie-Célianian. Donc c'est pour voir qu'à travers l'histoire que c'est et Haïti a toujours vécu les mêmes histoires. Dans le théâtre, nous avons pour nous travailler ensemble avec Patrice, que ce soit sur le plan théâtre, que ce soit sur le plan cinéma. Donc,
bah yo derrière y a fini. Évoluer dans le théâtre, dans le monde culturel en Haïti, c'est pas facile. Mais n'empêche que, après des années, je suis capable de dire que le fait que nous toujours travaillons, nous ne pas laisser tomber, ça paye. OK? Donc, et c'est conseil ça que je suis capable de faire jeune, le travail, cela se paie toujours. Donc, il suffit que vous restez focus, ou ne pas laisser tomber, ou quoi dans le rêve, ou quoi dans le sauve, travail pour les, donc, vous avez un résultat. Parce que, je dois dire, là, la culture, là, pas, et pas gagner l'argent en Haïti, mais moi vivre avec lui et me vivre bien avec lui. Bon, mais même ça, moi, je dis, mon vivre, apprendre à vivre. Et nous apprenons à vivre, l'apprendre à vivre, pas le dire pour nous en joie tout jour, toute la cette journée. Apprendre à vivre, le dire que nous qu'à crier, nous qu'à en colère. C'est apprendre à vivre, pas qu'un béon dans nous, les nous qu'un béon dans nous. Ça ba nous plus problème puis devant que si nous t'exprimer nous dans moment pour nous t'exprimer nous c'est apprendre vivre en fait.